Allume une torche. Oh mon dieu, on voit rien. On va se calmer les gens, on va se calmer. Alors je sais que... Alors j'ai re-regardé en fait par rapport à YouTube. Et c'est vrai que la dernière vidéo, donc la première vidéo de la nouvelle saison, évidemment, faut bien faire les choses mal dès le début, est extrêmement sombre. C'est vrai que quand je l'ai mis sur YouTube, j'ai regardé vite fait et ça avait l'air potable. Mais c'est vrai en fait, dans les zones sombres, c'est extrêmement sombre. Alors pourquoi? C'est parce que... Alors normalement c'est pas aussi sombre que ça, en fait, The Long Dark en tout cas, j'en ai beaucoup joué. Parce qu'on est déjà à la saison 5, donc quand vous me gueulez dessus à mettre une torche et tout ça, calmez-vous. J'en ai déjà parlé un nombre incalculable de fois que ce jeu est sombre par moment, mais j'augmente la luminosité dans le jeu, comme vous pouvez le voir là maintenant, et j'augmente aussi la luminosité en fait à l'éditage. Mais si je le fais trop, après ça va laver les couleurs et du coup ça va être très blanc en fait. Dans tous les cas, ils ont retravaillé la luminosité dans le jeu, vous pouvez le voir, hein, c'est au dernier patch, et apparemment, bah, du coup, ça rend le jeu un peu plus sombre, c'est-à-dire que les noirs sont très noirs et la lumière marche très bien du coup, mais les objets en fait ambiants ne rayonnent aucune lumière s'il n'y a pas une source de lumière, ce qui est dans un sens logique, normal, mais du coup c'est très bien fait, et du coup quand c'est noir, c'est très noir, voilà. Donc... Et vu que YouTube, en fait, ils ont un encodeur qui travaille très mal les parties sombres, en gros, quand ça devient noir, bah, il le met complètement noir, ça marche très mal avec The Long Dark. Vous pouvez regarder toutes les autres vidéos sur tous les autres jeux, j'ai aucun problème par rapport aux couleurs ou aux zones sombres et tout ça, mais c'est vrai que The Long Dark, ben, c'est compliqué. Donc cette fois je vais utiliser un autre encodage de mon côté, rendre la vidéo un peu plus claire et en espérant que sur YouTube ça ressorte bien. Donc en théorie vous devriez pas vraiment voir dans le noir parce que sinon ça va un peu gâcher hein, l'immersion évidemment. Mais on va dire que les noirs quand je peux voir moi sans problème sans lumière, vous devriez aussi pouvoir voir sans problème sans lumière. Évidemment encore une fois, je le répète, YouTube va assombrir la qualité ambiante de l'image, gardez ça en tête. Mais encore une fois, c'est pas ma première saison, c'est pas la première fois que je joue à The Long Dark, je l'ai toujours dit, quand j'ai des torches je vais les allumer. Là c'est que bah, on n'a pas grand chose pour le moment parce qu'on est le début. C'est vrai qu'après j'aurais pu faire peut-être plus de torches, j'aurais pu utiliser la torche allumée par le baril pour rechercher les objets, parce qu'en fait c'est cette partie là que les gens se sont plaints. C'est vrai, j'aurais pu, mais bon voilà, on est en intrus, l'habitude de vouloir économiser les ressources et tout ça, donc je l'ai pas fait. Mais voilà, donc en théorie, l'image devrait être mieux pour vous, je l'espère en tout cas, dites-moi dans les commentaires et tout ça. Après, les couleurs risquent d'être un peu moins vives, en théorie, voilà, si c'est du rouge, ça sera un peu moins rouge, etc. Mais j'espère que quand on allumera des torches, ça lavera pas l'image, mais voilà, en tout cas, ça devrait être un peu mieux pour tout le monde, en tout cas, je l'espère. Voilà, ça sera tout pour cette intro. Rappelez-vous, restez cool pour l'année 2020. Hein, on est sur YouTube, je sais, ça peut être cancéreux. Mais restez cool, restez sympa. Ne commencez pas vos commentaires en gueulant. Dites-moi salut. Après, vous pouvez gueuler. Voilà, comme je le dis toujours, ayez une ombre de politesse et après, vous pouvez gueuler. En tout cas, voilà, on continue notre survie dans The Long Dark. Deuxième épisode, et cette fois-ci peut-être un peu plus clair. Et on se retrouve dans notre fameux bateau. J'aime pas être penché comme ça. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est ma vue en fait qui est penchée.
Ça doit être un peu cendre, désolé, on va pas rester longtemps, on va sortir, on va juste se réchauffer un peu. Voilà, on va rester là. Alors notre plan, c'est vrai que j'ai pas encore la carte, donc je vais pas pouvoir vraiment expliquer. Est-ce que je peux expliquer comme ça? Est-ce qu'on peut faire comme ça? Nous on est... l'autoroute côtière est là, l'autoroute vétuse est là, le site de désolation c'est ça. Ok. Nous, en théorie... C'est pas vraiment très très précis en fait. Enfin bref, j'ai envie d'aller à l'autoroute côtière. Je pense pas qu'on va rester dans cet endroit là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de ressources en fait pour crafter. Surtout qu'on a, étrangement, on n'a pas eu de marteau. On n'a pas trouvé de marteau. Ce qui est un peu... On va dire que quand j'ai fait mes... il faudra allumer une torche honnêtement pour être sûr. Je sais qu'il y a du charbon là. À chaque fois que je suis allé dans une forge, en fait, j'ai toujours trouvé un marteau en plus. Donc, du coup, on peut forger, mais là, on peut pas. Étrangement, on n'en a pas. Donc, on n'a pas eu de champ. Donc, du coup, ça sert à rien de rester là. Ça sert strictement à rien. Après, on m'a dit en commentaire qu'il y avait des allumettes aussi où on était. On va peut-être y retourner, voir vite fait. On avait fouillé tout ça, ouais, on avait fouillé. Bref, j'essaye de gagner du temps pour se réchauffer là. C'est pour ça que je reste à cet endroit. Mais dans tous les cas, donc comme j'ai dit, je voudrais aller à l'autoroute côtière. Donc ce qu'on va devoir faire, donc là ici on a le... C'est bête qu'on ne puisse pas zoomer en fait. Ah, c'est bête. Le bateau en gros il est échoué en plein milieu. Si c'est bien, elle est mal dessinée en fait la zone. Quand même. Si on dessinait notre carte, elle n'est pas exactement comme ça. Enfin bref. Et il y a des mines en fait tout autour. Il y a une entrée là, je crois, une entrée là, et après une troisième mine. Et genre il y a une mine qui est, bah, qui est la même en fait, qui fait une sorte de U comme ça. Et après nous avons une mine qui part là. Et on doit d'abord passer par une zone, bah, l'autoroute vétuste. Je pense que c'est cette zone là, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Oui, je crois. Et après, nous arrivons à l'autoroute côtière. Et là, ça va être cool. Je sais pas si je suis en train de vraiment montrer les bonnes zones, là. Ouais, non, si, je pense. C'est juste que la carte est un peu étrange. Enfin, bref. Donc, j'avais dans l'idée de partir dans l'autoroute côtière. Parce que, bon, bah, c'est une zone plutôt sympa et facile pour commencer. Il va y avoir beaucoup de maisons, beaucoup de choses à récupérer. Donc, voilà, j'ai envie de faire ça. Après, est-ce qu'on peut partir maintenant ? Honnêtement, je pense que oui, parce que bah, on a notre strict minimum, c'est-à-dire que bon, on a un flair, on a trouvé un pied de biche qui est cool, on a un tout petit peu de nourriture, pas beaucoup, on a un peu de bois, un peu de feu, on a de l'eau, ce qui est important, on a 1,55 L. C'est pas énorme, mais on a déjà ça. Voilà, je pense qu'on peut, je crois qu'on peut y aller, on peut se balader. Après on a une seule torche, à la limite on pourra en faire d'autres si besoin. Les torches elles sont où? Les torches elles sont là, je sais plus. Torches. Ouais, quand on trouvera des bâtons à l'extérieur, donc il n'y a pas de problème. Donc on pourra faire d'autres torches, donc à la limite on pourrait passer par les mines maintenant, voilà. Car on a des torches. Voilà. Voilà, c'est un peu ça ce que je voulais expliquer. Donc on va sortir et on va, je pense, retourner d'où on vient et aller examiner la première mine qui fait un U, comme j'ai expliqué. Donc on va faire ça. Voilà, c'est notre plan. J'aime bien expliquer un peu ce qu'on fait. Voilà, on est... Donc du coup, il faudrait... Ouais, il fait froid. Il fait pas extrêmement froid, regardez. Oh, il fait pas extrêmement froid. Moins 5, ça va. Donc on va retourner là. Est-ce qu'on va retourner à l'intérieur pour fouiller? Je sais pas trop, honnêtement. J'ai pas vraiment envie. On pourrait le faire vite fait. Ouais, vu qu'elle a froid. On pourrait le faire vite fait à la limite. Ce qu'on va faire, c'est que voilà, on va faire ça. Après, on va passer par le côté gauche. Essayez d'imaginer qu'il y a un curseur en plein milieu de l'écran, ok? Donc, on va retourner dans le bâtiment vite fait, voir s'il n'y a pas des objets qu'on a loupés. Après, on va continuer à monter. Et là-bas, normalement, en théorie, on devrait trouver l'entrée de la grotte. Et après, la grotte fait un U.
Et on devrait retomber plus ou moins là-bas. Et après, on pourra repasser... Non, repartir par le... Oh. Repartir au phare. Au phare. Ah, on tombe toujours sur les mêmes objets. Ça, c'est chiant, ça. Le phare est plutôt cool parce que, du coup... Enfin, on pourra dormir là-bas, voilà. Parce qu'il fait déjà un peu... Voilà, on est déjà en fin d'après-midi. Enfin, peut-être début d'après-midi. Donc, voilà, comme ça. On a un plan tout fait. Hein. On visite la mine, après on ira dormir, etc. Enfin voilà, tout va bien, tout est bien. Donc ça c'est cool. Après on m'a dit qu'on devrait trouver des allumettes apparemment. Qu'il y a un spawn d'allumettes qui est à 100% ici. Je savais même pas qu'il y avait des spawns à 100% dans le jeu. Ça m'étonnerait quand même. Enfin après, j'en sais rien, mais... Je sais pas, on a trouvé des allumettes où, donc, dans la voiture et c'est tout. Enfin après c'est pas très grave, honnêtement, s'il y a un... Si on loupe un truc, pour le moment, on a besoin de pas grand-chose. Enfin, je dis ça, on a rien, mais pour le moment, on peut survivre. Donc, j'ai pas envie de tourner 3 heures pour genre un objet que j'aurais loupé. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Aussi, sinon, vous me direz. Hein, si vous voyez bien, mais en théorie, vous devriez voir beaucoup, beaucoup mieux maintenant. Donc même cette zone-là ne devrait pas être trop sombre pour vous. En tout cas, on va partir. Elle s'est un peu réchauffée. Ouais, voilà, risque d'hypothermie est parti. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Il faudrait bien... Ah oui, on peut sortir, il y a la porte. Ok, on y va. C'était surtout pour me réchauffer, en fait, qu'on est passé par là. Voilà, c'est tout. C'est pas grave, c'est pas grave. Si on a loupé un objet, c'est pas très grave. Ok. On continue, on avance. On va passer par la voiture. C'est bien parce que cette voiture sert de porte, tout simplement. On est allé dans celui... je crois, oui, parce qu'on a... je me rappelle avoir pris le charbon dans le tonneau. Je crois qu'on l'a fait, celui-là. Oui, on l'a fait. On est bon. Autre chose, qu'est-ce que je voulais te dire? Non, pas grand-chose. Oh, dans la voiture, on a chaud, tiens. Intéressant. On va prendre les cailloux. Si jamais on tombe sur des lapins. Voilà, on va continuer. Et normalement, là-bas, c'est le côté où il y a la mine. En théorie, si je dis pas de bêtises. Et oui, et du coup, on va, voilà, on va directement voyager, on va dire. Oh, yes! On va directement voyager. Comme ça, on restera pas dans la même zone très longtemps. Ah, je sais bien ce que j'ai entendu. Ouais, j'ai entendu un truc, je me suis dit, c'est quoi ça? Merde! Oh, putain, je suis trop con pour tourner ma tête, yes! Vous l'entendez ou pas? On a de la chance qu'il fasse chaud, enfin qu'il fasse pas trop froid. Par contre, bah tiens, tant qu'on est là, on va regarder normalement, non. Ah si, c'est en meilleur état, ça. Ouais, mais c'est en meilleur état pour le moment. Ouais, bon, on va mettre ça pour le moment. Pa-pa-la-pa-pa, tout va bien. Putain, c'est con ça, je vois... Oh la vache, ça me rend fou. On va fouiller. On peut pas avoir un miroir? Ce serait bien un miroir. Ok, on va sortir, se retourner vite fait devant la porte au cas où s'il y a le loup à côté. Ok, on s'est baissé. Ce qui est bien, donc quand on va sortir, on sera déjà baissé. Vous voyez, on a l'icône en bas à droite. Il va pas nous renifler direct. C'est déjà ça. Ça fait chier, je veux pas rester 3 ans là non plus. Ah oui, aussi, on m'a dit... C'est vrai qu'on m'a rappelé.
Merci. Pour faire les balles, il faudrait le charbon. C'est vrai que le charbon maintenant ne sert plus seulement à dessiner la map, mais à créer les balles, je crois. Morceau de plomb, poudre. Ou alors on m'a menti. Boîte à poudre. Ah oui, non, il faut le charbon, il faut bien le charbon. Ok, bon, on sort. Bon, on sort. Allez. Putain, j'ai l'impression de... de jouer à Escape from Tarkov, quoi. Ouvre. Ok, on est bien. Très bien. J'ai vraiment... j'ai l'impression de jouer à Escape from Tarkov, c'est énorme. Comment... Bon, il n'a pas l'air d'être là. Je vais aller à droite, évidemment. Il est là. Alors, est-ce qu'on peut le faire fuir ? Vas-y, fonce-nous dessus. Normalement, il peut pas passer. Ouais, ça va être embêtant, ça. Bon. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, il a eu peur. Ok, on va essayer de... gagner de l'espace. Ok, on est bon. Je voulais récupérer des brindilles pour faire des torches, mais moi qu'on en trouve là. Oh, regardez-moi tout ça. Vous avez vu? On n'a pas de scie, rien. Ok, on peut faire une torche. Ok, bien. Let's go. On peut faire une torche en plus. Ah, ce qui est cool. Oh la vache. On voit rien, allume une torche. Oh, j'ai vraiment pas envie de le faire. Ah. Alors déjà, on va faire... On va déjà créer la torche. On a deux, hein. On a pas énormément. Ok, maintenant on en a plus. On n'a plus rien. Après on a un flair. On pourrait utiliser le flair à la place. Ça nous ferait économiser des allumettes. Mais des allumettes on a déjà trouvé. On a 23 en tout. Donc bon, c'est pas... ah yeah, je sais pas. Je sais pas. Non, allez, torche. Torche. Ok, c'est parti. On va devoir se bouger un peu les fesses. Ah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de récupérer le... Alors moi, c'est ce que je fais tout le temps. C'est que je récupère le charbon. À moins qu'on soit vraiment plein. Récupère le charbon. Après, c'est pas forcément que je vais le garder sur moi. Ou l'emporter nulle part. Mais je le mets à la sortie ou bien sûr à l'entrée en fait de la mine. Comme ça, donc quand on reviendra ici, bah du coup on saura où est le charbon. On l'aura tout mis dans un même endroit, vous voyez ce que je veux dire. Donc... Oh la vache, non.
Donc comme ça on saura où il est. Ah, va être fatigué ou non, non ouais, on est déjà assez fatigué. En théorie, cette mine n'est pas très compliquée, c'est juste un seul chemin, je crois bien. Ok, j'ai rien dit. Ok, là je crois que c'est la sortie, donc on va voir là. Ok. Vous avez vu comme ça c'est clair, c'est étrange. On va se regarder s'il n'y a pas des objets un peu cachés. Non, ok, c'est bon. Oh la vache, on voit plus rien. Ok, non, là j'avoue, là on voit plus rien. Même moi je vois plus rien. Ok, c'était une... J'aurais dû... Je voulais juste regarder, ne pas consommer trop la torche et juste regarder vite fait s'il y avait des objets cachés, puis après revenir sans la torche. Mais en fait, oui, non, faut pas faire ça. Ok, donc on a ça, très bien. Ouais, là, on aurait dû regarder avec la torche. Là, c'est vrai que je ne vois rien. Ok, on est à combien de kilos? Ok, on peut se perdre. On va garder ça et on va, comme j'ai dit, on va aller au phare. On devrait pas être très très loin du phare, donc on va faire le phare. Et on va sûrement dormir, je pense. Je pense qu'on va aller dormir au phare. Y'a quoi par là? Ah ok ok c'est là. Oh parfait. C'est l'église là. Très bien. On se balade un peu. Le phare normalement c'est dans cette direction donc on a qu'à tracer et on y sera. Je veux juste un peu voir s'il n'y a pas quelques objets aux alentours. Pas l'air d'avoir de bestioles aussi. Let's go, on va avancer. Est-ce qu'on repasse par l'église? Non, on l'a déjà faite. Donc on va aller directement sur la route. On va bien dessiner aussi, mais c'est pas comme si on avait extrêmement chaud. Donc on va éviter. Les serres là. Alors, un truc qu'on pourrait tenter, mais je suis. Il est où? Mais il est où? Ah, bien joué. Ah ouais, bien joué. Oh mon dieu. Oh mon dieu, c'est une connerie ce que je vais faire. Ne le faites pas à la maison. Ne le faites pas à la maison. Donc je disais, oh, une corde d'escalade, ouh c'est rare ça. Bon par contre c'est super lourd donc je sais pas si ça, va vraiment nous être utile pour le moment. Ok là-bas il y a un cadavre, faut aller le voir. Vu que maintenant on est là, c'est de faire peur aux cerfs pour qu'ils aillent sur les loups et après de récupérer la viande. Alors il va avoir beaucoup de pertes parce que les loups vont manger la plupart de la viande mais... Mais ça nous permettrait d'avoir de la viande. Alors vous voyez, lui, là, il est pas mal. Toucher ça, toucher le Kerim, ça porte bonheur.
Ah oui, non, c'est vrai qu'on va, devoir le faire à la main. Oh. On va devoir le faire à la main. La viande, donc on peut pas la laisser geler. Non, ça va être trop dangereux. Non, 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 on va pas faire ça. Le truc, c'est que de pas d'avoir d'outils, du coup, on peut pas vraiment récupérer la viande ou quoi que ce soit, ou la peau, tout ça, sans outils, quand c'est gelé. Et du coup, si par exemple, on va, en théorie, par exemple, en hypothèse. Oh non, mais t'es sérieux? Oh putain, on va faire le tour. Imaginons, on lance un loup. Enfin, on lance un cerf sur un loup, il va le manger. Après, il va falloir attendre ou alors faire peur au loup, je sais pas trop comment. Et après, le temps qu'on revienne sur la carcasse, elle sera sûrement gelée, donc on va pas pouvoir récupérer les... la viande, etc., etc. Ah, c'est une catastrophe, c'est exactement le passage où je voulais prendre. Pour revenir au, phare. Le problème, c'est que là, on perd beaucoup de vie à cause du froid. Oh, la vache! Mais c'est quoi cet endroit de merde? Ah, fais chier. Ah, on est vraiment dans la merde. Ça va fermer ta gueule! On peut pas rester ici, on va geler. Ok, il est parti. Tu veux pas partir loin? Comment on va faire? Comment on peut monter au phare? On va pas pouvoir monter au phare. On va pas pouvoir monter au phare. Non, il y a pas d'endroit, si. Non, pas à ma connaissance. Je vais voir, mais à ma connaissance, on peut pas monter sans passer par les ponts. Et il faut passer par les premiers ponts. Catastrophe. Sinon, ce qu'on fait, on retourne à l'autre endroit. Je sais pas si... Non, on peut pas passer par là. Regardez aussi si, si la mer ne vous a pas apporté des cadeaux. Ça arrive de temps en temps. Enfin, surtout à l'autoroute côtière. Ici, je... Ici, j'ai pas souvenir d'avoir trouvé des choses. Ah, peut-être que... Non, ça va être trop pentu. Non, on va pas vouloir. Bon, bah merde. Bon, ça c'est embêtant. Ah, on peut dormir dans le, bateau. Comment il s'appelle? Le Riken, je crois. Ah, on peut faire... on peut dormir dans le bateau. On sera à mi-chemin. Ouais, elle est vraiment fatiguée. Il va falloir vraiment qu'on se bouge. Ah, on va dormir dans le bateau. On va faire du feu même. Il faudrait faire de l'eau, je crois. On en a plus beaucoup. Un cerf à droite. Bon, on est à mi-chemin. Enfin, on est à mi-chemin pour sortir de la zone, c'est ça surtout. Et ça m'embête parce que je voulais vraiment être au phare. On serait le plus proche au final. On serait là-bas. Et nous, on va aller dans cette direction. Le problème, c'est que c'est truffé de, loups. Hein. Il y en a plein, il y en a vraiment plein.
Là, il y a plein de cerfs à chasser. Enfin bref, allez, on rentre. Eh ben, on a failli passer. On a vraiment failli passer. Allez, on va dormir dans le bateau hanté, c'est bien. C'est super comme endroit. Alors, vu qu'on est là et qu'on a plein de charbon... Alors oui, je sais, c'est sombre, ne vous inquiétez pas. On va pas y rester. Feu. Je pense qu'on va tout laisser là. Je pense qu'on va tout laisser là. On a ça. Je vais voir, ok, on va récupérer. Ça va, il fait chaud. On a la moitié de notre vie. Faut qu'on mange, elle est fatiguée, faut qu'on boive. On va pas faire de feu maintenant parce que elle va pas pouvoir rester éveillée en fait. Donc ça sert à rien. On va monter à l'étage où c'est qu'il y a les lits parce que déjà je vois plus rien moi. Ok, ouais, on est bien là. Il y a des caisses à casser. Non, elles sont toutes en bas les caisses. Ok, lit, très bien. Ce que je voudrais faire peut-être... Ça fait combien de chaleur ça? 1 degré 0,5. On pourrait faire ça, 15 minutes. Ah, comme ça, ça sera prêt pour faire à manger. On a du bois, ce qui est bien. On va pouvoir faire du feu. Je pense qu'on va manger... Je pense qu'on va manger... On a les antibiotiques si jamais on tombe malade. Oui, on a que ça. On devrait être bon, même si on tombe malade. Et là, on a l'analgésique avec ça, pour les douleurs et tout ça. Ok, cool. Ok. Ah, très bien. On a la corde. Honnêtement, la corde ne va... Est-ce que ça... C'est pas utile. Honnêtement, c'est vraiment pas utile. J'ai jamais vraiment eu besoin de mettre une corde quelque part. Si je le fais, c'est vraiment parce que bah, je peux le faire, donc ça veut dire que j'ai pas vraiment besoin de vêtements ni tout. Ah, d'accord. On va la garder parce que pour le moment, on n'a pas grand-chose. Quoi qu'on est déjà à 29 kilos. Ouais, ouais avec tout le bois qu'on a. Ouais. On pourrait la jeter, la corde. Honnêtement, on pourrait la laisser là. On pourrait la laisser là. On verra. On verra. Bon. Allez, prions. Ok, très bien. On a... Il nous faut encore un peu plus de calories. Euh, 450. On va perdre en fait en calories parce qu'on les force. Et on perd aussi, donc ça, ça a été confirmé, on perd le container, la canette. Enfin, vous avez compris de quoi je parlais. Qu'est-ce qu'on va manger? On va faire ça. On a encore de l'eau, ça devrait passer. Ouais, il va falloir qu'on fasse de l'eau après. Bon, il nous devrait nous rester près d'un peu moins d'un litre. Ok, c'est bon. Quand on va se lever, on va faire du feu. Quand on va se lever, on va faire du feu. Là, on a besoin de faire du feu. On va dormir 8 heures. Non, 9 heures. On a encore de l'eau, donc quand on va se réveiller, ça va, on pourra tenir. Et on va faire du feu, et on va faire à manger, faire de l'eau. Faire de l'eau. Je crois. Par contre, j'ai un doute. Est-ce qu'on peut faire de l'eau ici? Ah. Parce que je me rappelle pas qu'on puisse mettre des containers sur...
dans la forge. On n'en voit rien. On va dormir, on verra ça. Je vais se reboire un peu. Normalement, oui, parce que n'importe quel feu, on peut faire du... On peut faire à manger ou à boire, mais je suis pas sûr. Ah bah. Allez, on dort. Ah, ok, ok, ok. Donc on a récupéré pas mal de vie. Ah, c'est complètement noir. Oh, fait chier, il va falloir allumer la torche. Attendez, peut-être que je peux... Yes! J'ai pas envie d'allumer la torche pour rien, merde. Wow, ok. Pas mal. Ok, passe par là. Je veux voir, en fait, si on peut mettre des objets à la forge. Bon, la forge, c'est pas très compliqué, c'est tout droit. Je suis complètement dans le noir, je vois rien. Étagère en métal, d'accord, non, c'est pas ça. Bon, merde. Là, 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 là. Voilà, on l'allume la torche. Ok, on n'y était pas du tout en fait. Ok, c'est bien. Ah, dessus! On peut en mettre qu'un seul! Ah non, putain. Bon, bah, très bien. Voilà. Voilà, voilà. Ça se passe bien. Ah, donc on peut mettre qu'un seul récipient. Intéressant, ça je savais pas. Pas cette forge, non, je savais pas. Bon, ça doit être toutes les mêmes de toute façon. Alors, on va faire ça. Très bien. Alors pour ceux qui savent pas, la forge elle marche, il faut atteindre une certaine température pour commencer à crafter les objets. Et pour ce faire, il faut utiliser le charbon. Le charbon donne énormément de degrés en plus en fait dans le feu. Et il le fait durer, je crois, c'est 30 minutes de plus ou peut-être une heure. Je pense que c'est que 30. Par contre, en fait, le charbon est très bon pour augmenter la chaleur. Donc une fois que vous atteignez les 150 degrés, vous utilisez du bois. Moi, c'est ce que je fais pour économiser le charbon. Bon, bah, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On va voir ce qu'on peut crafter. 15 minutes, on va faire ça. Bouillie dans 14, très bien. On pourrait lire. Ouais, non, elle va avoir faim, ça sert à rien. Alors, on va faire cuire ça, ça donnera des tisanes avec calories. Alors, il y a les vêtements qu'on pourrait réparer, mais bon. Pas vraiment utile pour le moment. Minutes. J'ai vraiment l'impression qu'on perd notre temps à faire ça, honnêtement, parce qu'on récupère tellement peu d'eau à chaque fois, c'est très très chiant, très très chiant. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Des pansements, on n'en a pas besoin. On va garder les tissus pour le moment. Fagotin, on en a. Ah, avec cette musique qui stresse en plus.
répondu dans 3 minutes. Je sais, là on voit strictement rien. Là je vois juste ça, hein, vous inquiétez pas. Je sais qu'il y a une caisse là par contre. Ah, je sais qu'il y a une caisse par là. Charbon, caisse. 15 minutes. On va le faire. Merde. Oh le con, faut la remettre l'eau. Bien joué. Il restait 3 minutes. Je pensais que c'était fini en fait avec le temps de... Oh mon dieu. On va garder les... ça. C'est mieux, mais c'est juste parce que les pourcentages en fait sont pas assez élevés. Et comme ça on va pouvoir recycler ça. Donc faites pas comme moi, enlevez pas les l'eau qui est presque bouillie. Parce que sinon vous allez devoir le refaire. Ok, très bien. Commence à faire jour. Elle est pas extrêmement... Elle est pas reposée au maximum. Par contre, est-ce qu'on a assez de nous... Est-ce qu'on peut se permettre de genre dormir encore? C'est ça ce que je me demande. Là on aura 100 calories, là on va encore avoir 100. 5, 400, 600, 300... Là, ça nous fait au moins 2 jours. Enfin, 2 nuits plutôt. On peut encore dormir 2 nuits. Je dirais. Donc, ouais, non, on va pas le faire. Non, on va pas les utiliser pour ça. On va voir comment ça se passe. Donc, ce qu'on va faire là, on va continuer à faire de l'eau. Genre un tout petit moment. Et on va essayer de repartir au phare. Ça dépend comment ça va se passer. Si jamais on arrive au phare, on va peut-être dormir quelques heures au phare. Genre pour qu'elle se remette un peu d'aplomb, parce qu'elle est un peu fatiguée quand même. Et après, on partira donc pour la nouvelle zone. On partira directement, je pense. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Ouais, je crois que c'est la meilleure des choses. Je veux pas trop boire aussi, c'est pour ça que j'ai... Pour ceux qui me connaissent pas en fait, qui viennent de découvrir ma série par exemple. Par exemple là je vais donner des trucs et astuces on va dire de temps en temps. Je bois pas au maximum parce que déjà là on peut récupérer de l'eau en fait. Donc, exemple, si on a besoin seulement de calories et qu'on a l'eau au maximum, bah du coup, en gros, bah, l'eau que vous pouvez récupérer avec ça... Enfin, vous récupérez pas de l'eau, mais vous récupérez de l'hydratation, en fait, pendant que vous mangez. Et bah du coup, vous allez en... Ça sera gâché, quoi. Donc, je me mets jamais vraiment à 100% en eau, sauf si on doit dormir. Donc ça aussi, faut y penser. Là, on peut strictement rien faire à part attendre. Je regarde si on a... Non, ça non. Là, c'est 1 heure pour les recycler. Ça, on les garde pour plus tard. On pourrait coudre. On pourrait coudre, mais ça dure longtemps parce qu'on est très bas niveau. C'est minimum 30 minutes. Et surtout que c'est des vêtements pas vraiment intéressants. Honnêtement, les baskets, bon, il faudrait du cuir, je crois, pas les baskets. Il faut du cuir. Ça encore ça va, ça c'est de la merde, ça aussi on trouvera sûrement mieux, donc ça sert un peu à rien. On va accélérer un peu le temps. On va remettre un livre. Hop. On va faire cuire ça. Près dans 13 minutes. Très bien, 50, on accélère, prendre, oh, 19 minutes, on va devoir rajouter un peu parce qu'il faut que ça fonde et que ça boue. Ok, ok, ok.
Et le charbon aussi, je sais pas si je l'ai dit quand je parlais du charbon. Le charbon, on peut pas le mettre directement. Le charbon, faut attendre 30 minutes, je crois bien. Avant de pouvoir le mettre dans le feu. Sinon, bah, le charbon, vous savez à quoi ça sert, le charbon. Le charbon, ça brûle pas directement, ça chauffe et ça maintient la chaleur. Une heure. Okay. On va avancer. Je serais à l'aise avec 3 litres. La corde, je sais pas si on la garde ou pas. La corde, pour l'instant, on la garde, je crois. Et on la jettera si jamais on a... Si on a besoin de... De faire de l'espace. Quoique, on devrait la jeter là, en fait. Comme ça, elle est sécurisée. Enfin, je sais pas. Dans 20 minutes. On est à 40. Ok, je pense qu'on peut y aller maintenant. 20 minutes. On va la laisser fondre et ça nous fera de l'eau dégueulasse qu'on ne doit pas boire. Mais du coup, ça nous avancera en fait. Alors, quoique, on peut prendre. Attendez, on peut peut-être prendre une torche. Ouais, on va faire ça. Et voilà. Oui, du coup, on va... Neige en train de fondre. Ça m'a donné de la neige. Ah oui, non, il y a 17. Ouais, non, c'est bon. Allez, on y va. Ah, quoique... Je voudrais récupérer du charbon. Enfin, des petits cailloux de charbon. On en a combien sur nous? On a 14 déjà. Ouais, non, peut-être ça sert à rien. Enfin, quoi que non, si, ça y est, c'est fini. Combien on en a récupéré? 4. Ok, on est à combien de kilos? 28, 50. Prendre. Ok, let's go. Attendez, le raccourci il est où? Ok, eau potable. On a bien de l'eau pas potable, on est d'accord. Ok, donc ça y est, pas dans le raccourci rapide, ça va très bien. Parce que des fois j'ai fait quelques erreurs de... Vous voyez, d'aller trop vite avec les raccourcis et tout ça, genre manger de la viande crue alors que je croyais qu'elle était cuite. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Des choses comme ça. Il fait très très beau. Mais ça veut pas dire qu'il fasse pas froid. Alors, vu qu'il y a des loups tout autour du phare, je dirais peut-être que bah, on évite le phare, à la limite. On va peut-être passer par là et par le pont. Je sais pas, on va voir. Ah, il y a une voiture là. Enfin, un camion, on va voir. On va voir si on peut pas récupérer des massettes aussi, ça m'étonnerait. Mais... Oh, attendez. Je crois pas qu'il y ait de massettes ici. J'arrive pas à balancer sur le... Chut! J'écoute pour les loups.
Oui, ils peuvent être complètement là. Ok. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, à la limite, je dirais de passer par... par la forêt. Parce que ça avait l'air honnêtement beaucoup plus safe. Donc, je sais pas trop. Là. Ah mais si on a de la viande fraîche, on va attirer les loups. What? Désolé. Non, attendez. Ah, il faudrait qu'on aille au phare. Il faudrait vraiment qu'on aille au phare. On va aller dans l'église, on est plus ou moins en sécurité, parce que c'est un lieu sanctifié, évidemment. Et les loups, ce sont des... Qu'est-ce que je raconte? Ce sont des démons, des démons. Et du coup, ils peuvent pas franchir le périmètre. Non, je déconne, je dis n'importe quoi. Ouais, non, ça a l'air tranquille, là. On va récupérer ça. Ouais, on va aller au phare. On va dépecer notre lapin. Et on va récupérer comme ça de la viande et on va faire cuire. Je crois qu'on va encore faire du feu. Je dirais. On pourrait faire du feu ici, mais il fait froid dehors. Bon, allez, pitié, je vous en supplie qu'il n'y ait pas de... Ça a l'air tranquille. Je vois rien qui bouge. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur The Long Dark, si vous avez de la viande fraîche sur vous, les loups vous re... Les loups vous renivent d'extrêmement loin. On l'a déjà fait ici, ok. Ouais, on va devoir se cacher. Ok, let's go. Les loups vous renivent d'extrêmement loin. Vous pouvez facilement le voir quand vous êtes sur des zones genre plates, bien dégagées. Vous pouvez voir que si... Par exemple, si on fait ça, vous voyez qu'on a des flammes là au-dessus. En fait, c'est l'odeur. Et plus on a de l'odeur et plus ils peuvent vous sentir de loin. Et vous allez voir qu'en fait quand ils vous ont senti, ils vont se retourner directement en fait dans votre direction et ils vont regarder. Ça veut pas dire qu'ils vous ont vu encore, mais ça veut dire qu'ils vous ont senti, donc ils vont voir ce qui se passe. C'est super impressionnant des fois. Ok, on a rien d'autre à récupérer ici. Donc il faut faire attention à ça. Donc il faut faire cuire la viande. Et par contre, même avec de la viande cuite, et ça je suis sûr qu'ils l'ont changé à un certain moment, c'est que vous pouvez utiliser des appâts. Donc moi c'est ce que je faisais, c'est que par exemple je gardais 0.1 de viande et j'utilisais en appâts. Donc comme ça on les dépose par terre. Et ça aide. Ah oui, vous avez vu qu'il dégèle aussi. Avec le temps, il était à 6, maintenant il est à 5. Mais si vous en avez trop sur vous, ça va vous compter aussi comme si vous sentez la viande en fait. Donc faut faire attention à ça aussi. Attendez, on peut pas faire de feu ici? Quoi? C'est moi qui... Ah oui, il est en bas le... Il y a rien là. Il est en bas le chauffe-eau. Très bien. Très bien, très bien. Pour l'instant, on va faire ça. Bah du coup, on va rebalancer une allumette. On a ça, ça. On a quoi comme feu? Ah oui, on va enlever la corde aussi, parce qu'elle pèse trop lourd pour le moment. Je pense que la corde, on va la laisser. On va la laisser là, honnêtement.
Elle est pas trop fatiguée. Elle est... Ok. J'ai envie de... Je vais aller voir si je trouve pas encore un peu plus de bois. Mais il fait super froid en fait. Ouais non, c'est super loin. Non, il y a du vent et tout. Non, c'est la merde, c'est la merde. Non, laissez tomber. On va tout simplement faire du feu et utiliser ce qu'on a, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez. Alors, par contre, pour dépecer la carcasse, il faut combien de temps? Je vais voir un peu à la main, 30 minutes. Là, ça rajoute une... Ok, ça marche. Ok, très bien. On va utiliser cette torche-là. J'utilise toujours les petits bâtons au début pour faire du feu parce que c'est ce qui donne le plus de pourcentage, on va dire. Si vous utilisez une grosse bûche, vous avez moins de chances en fait que le feu s'allume. Mais bien sûr, bon, ça reste plus longtemps au début, mais voilà. Ok, très bien. On prend le chat. On va faire ça directement. On a 2 heures, donc pour le moment on va mettre de l'eau. On va faire ça à cuire 7 minutes. 7 minutes. Mais je crois qu'en 7 minutes en fait on n'a pas le temps de faire grand chose. On va pas pouvoir dépecer en fait. Donc on va faire ça, 15 minutes. Voilà, ça c'est bon. Oh, 50, très bien. Voilà, maintenant on a le temps. On pourrait faire 2 steaks, mais on va en faire en entier. C'est très bien. Bouillie dans 4 minutes, très bien. Donc on a 2 petits steaks. Ah, quoi qu'on a... Non, on a... Un et des bricoles. Il n'y avait pas 1 kg, il y avait 1 kg quelque chose. Il n'y avait même pas 1 kg 1, c'est 1 kg 0,3. Donc ça, par exemple, ça peut être pas mal pour un appât. On peut pas, voilà, on va faire ça. Cuire. Voilà, très bien. 38 minutes, putain, c'est long. Non! Quel con. Désolé. Voilà, pas assez de concentration. On a 2 heures, ok, très bien. On va récupérer le reste du lapin. On va d'abord... Quoique c'est du pareil au même, honnêtement. 40 minutes. 40 minutes. J'aime pas le faire comme ça. C'est long, cet inventaire, en fait, comme ça. Je préfère directement aller dans mon inventaire, genre choisir, sélectionner, et je le pose directement dessus. Voilà, ça c'est bon. Ah, attendez, le feu 1h30. On a 2h30. Ah oui. La peau de lapin, on la met par terre pour qu'on la sèche. Alors, on a une peau de lapin et une... Alors la peau de lapin, normalement... Attends. Ok. Donc la peau de lapin, si on l'a sur nous, normalement, elle nous donne pas, voilà, de l'odeur. Par contre, le boyau frais, oui. Donc, après, si on prend le reste, non. Si on prend le deuxième, non, ça va. Donc voilà, on risque rien. Mais le boyau frais, en fait, va nous poser problème pour se balader. Le boyau frais va être un problème. Alors,
1h30. Bah, je crois qu'on a tout fait. Attendez, attendez. Torche à 17%, on va la recycler. Ah, une chose que vous pouvez faire aussi pour augmenter le feu. Bon, par contre, ça va gaspiller en fait du temps. Mais si vous devez augmenter le feu, je crois que prendre une torche et rajouter le bâton, je crois que ça va l'augmenter. Je suis pas sûr. Je sais plus trop comment ça a été modifié, ça aussi. Je sais qu'il y a plusieurs mises à jour, on pouvait le faire, donc ça augmentait la chaleur. Mais là, je crois que quand on prend une torche, ça baisse la chaleur du feu. Ça, on pourrait le mettre à l'extérieur aussi, pour pas que ça pourrisse, en fait. Ça, il faut le laisser à l'intérieur, les boyaux et la peau. On a encore 1h20. Qu'est-ce qu'on va manger? Je crois qu'on va manger tout ce qu'on a là. Et on va garder la viande pour plus tard. Donc, on va la déposer à l'extérieur. Oh mon dieu, ce temps. Voilà. Ça c'est fait. Donc comme je disais, ouais. Le fait de se balader avec le boyau frais, en fait, ça va nous poser un problème. Ce qu'on peut faire à la limite, c'est que dans un sens, ça va nous poser un problème. Mais ça peut nous aider si jamais on se fait attraper par un ours, enfin coursé par un ours, bah on lui donne ça et il le mangera. Ouais, on peut faire ça, on peut faire ça. Boyau, ça sert à faire des fils, ça sert à coudre des vêtements en peau, ça sert à faire un arc aussi. Les boyaux sont très utiles. Après on a le sac de couchage, mais bon, on n'a pas énormément de feu, donc genre dormir à la belle étoile, c'est vraiment pas conseillé, surtout en intrus. Parce qu'une tempête, en fait, peut se déclencher extrêmement facilement. Et du coup, la température ambiante baisse énormément et vous gelez dans votre lit, en fait. Enfin, dans le sac de couchage. Et après, dormir dans le sac de couchage, après, il y a un mec avec un masque. Il vient, il commence à vous... Enfin, voilà. Vous attraper avec une machette et tout ça. Donc bon, c'est déconseillé quand même. Bruit dans 7 minutes... non. Maintenant. Ça. 13 minutes. Alors je pense qu'on va... je dirais que on va finir ça. On va finir le feu. On va dormir. Et on va partir de nuit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le flair. Pour sortir, en fait, du... 8 minutes. On va utiliser le flair. Ouh, cool, on en a d'autres. Pour sortir dans la nuit. Et avec de la chance, le flair, en fait. Enfin, la lumière. Je dis le flair, mais c'est en anglais. La fusée devrait tenir assez longtemps pour faire la route du. Mince. Bah, d'ici, quoi. Le phare, voilà, voilà. Du phare jusqu'à la mine, à l'entrée de la mine. Et après, normalement, avec de la chance, ça devrait aussi durer le temps de la mine. Donc on va pouvoir la passer sans avoir à utiliser de torches. En tout cas, j'espère. Voilà, on va garder les 3 torches. Mais voilà, il devrait durer assez longtemps pour faire tout ce chemin. À condition qu'on soit pas emmerdé sur le chemin par les loups ou qu'on doive faire un demi-tour ou une connerie comme ça. Mais normalement, on devrait être bon. Et après, on sera dans l'autre zone et on pourra continuer, etc. Et on trouvera un autre camp et on y restera. Je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça. Ça a l'air pas mal comme plan. Ça a l'air d'être un bon plan. J'ai envie d'aller dessiner, par contre. Mais je sais pas exactement combien de temps elle va prendre pour dessiner. J'ai pas envie de brûler ça. Alors on va juste attendre. On a d'autres à faire? Non, ok. On va faire l'eau maintenant. On va faire encore un truc d'eau. Donc on va mettre ça à 40 minutes. Ok, là on va dessiner.
à l'abri du vent. Ouais, c'est bon. Ah, non, c'est vrai. Ah oui, la tempête. Il n'y a pas de visibilité, du coup, on peut pas le faire. Bon, avant qu'on se décide, on va détruire une chaise. 45 minutes. 40 minutes. Ça fait... Je crois que ça devrait être bon. Ah, très bien. Au potable, très bien. Ok, on va dessiner maintenant. Ok, parfait. Parfait. Ça on laisse là, ça aussi on laisse là pour le moment. Et on va aller dormir. Comme j'ai dit, on va le dormir le plus longtemps possible. Je regarde d'abord une dernière fois l'équipement. Donc on est à 23 kilos. On va récupérer encore le boyau et la peau. On va être quoi, 25, 26. Je sais plus exactement, je crois 25. On a un peu de bois, pas beaucoup, c'est bien. On va pouvoir récupérer la corde, je pense. Je pense qu'on va pouvoir la garder, la corde. Je dirais. Ouais, on la prendra aussi sur nous. On a un peu de tissu, on a ça, ce qui est bien, ça va nous donner des calories et de l'eau si jamais on est à court de viande, donc on peut vivre avec ça pour le moment. On est bon. Honnêtement, ça se passe bien. Honnêtement, ça va. On a 3-5 d'eau, c'est très bien. Donc on va dormir le plus possible. On va essayer de dormir, je dirais 9h, ouais, 9h, pour vraiment être à fond. Enfin, proche en tout cas. Je crois qu'on va faire 4-5 et 3-5. Je crois qu'on va faire ça. Ouais, on va faire ça comme ça. Ah oui, quoique, oui, on va en perdre, c'est vrai. Ah, il y a la viande aussi à récupérer. Ouh, on a beaucoup perdu quand même. Il y a la viande aussi à récupérer. Je crois qu'il n'y a pas assez là. Non, on va devoir manger encore un truc. Ah, ouais, ça du coup. C'est embêtant, hein, parce que là, on gâche des boîtes de conserve parce qu'on pourrait les utiliser pour faire des récipients et tout ça, mais bon. Et on perd des calories, on perd beaucoup de calories, mais bon. On peut pas faire autrement, c'est pas grave. Je préfère garder la viande. De toute façon, des fétous, on va sûrement en trouver à un moment ou à un autre. Donc il n'y a pas trop de problèmes. Ah, ok, c'est parti. On va me faire peut-être 10 heures, histoire d'être à fond et d'avoir la vie à fond aussi. Ouais, on va faire ça. Ok, c'est parti. Et après, ce sera la grande vadrouille. Là, on va passer par la mine, on va avoir une nouvelle zone, et après, on va faire encore une autre zone. Et normalement, on devrait arriver sur l'autoroute côtière. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère. Et voilà, et après, ça devrait mieux se passer. Sauf si on se fait bouffer par un loup. On verra.